D'accord. Parfait, monsieur. Merci. Alors, donc maintenant, on va faire paragraphe par paragraphe. On va faire ça d'une façon individuelle. Donc, vous faites très attention à l'intonation, ok? Так, значит, мы с вами, да, читаем по очереди, в смысле, начинает Себастьян по абзацу и прям по человеку. Окей? Так, сейчас было очень быстро или как вам с темпом? Ну, быстровато. Быстровато? Действительно, un tout petit peu trop vite. Peut-être un tout petit peu, Non, mais je excusez-moi, peux le monsieur. lire plus lentement. Mais je l'ai fait comme je l'aurais fait normalement. Да, он говорит, что он постарался все-таки нормально читать, но в смысле, чтобы это было не естественно, да, чтобы это Ah, было ok. вполне Mais on естественно. peut parler plus lentement. Окей. Значит, прямо по первому абзацу. Tu commences juste les deux premières lignes, ok? Oui. Attends, tu peux décaler un peu? Ah, oui, pardon. Clovis Ier est le premier roi du royaume de France. Clovis a unifié presque toute la Gaule. Il s'est converti au christianisme. Индира, начинайте. Clovis Ier est le premier roi du royaume de France. Clovis a unifié presque toute la Gaule. Il s'est converti au christianisme. Ah, moi, je dis rien, c'est tout. Donc, il faut être sûr que. Est-ce que vous comprenez quand je parle? Ah oui. D'accord, très Ah bien. oui, elle a un bon niveau, Donc, t'inquiète. déjà, on dit Clovis. Vous avez dit Clovis. Ah, le Ensuite, ce que j'entends, mais ça vient de tous les Russes, donc c'est normal. Par exemple, le mot converti au christianisme, vous dites pas converti, vous dites j'entends converti. Donc c'est vraiment, c'est un seul son, c'est on. Il s'est Ah, converti. C'est on surtout, il faut pas du tout entendre o ou on, c'est converti. Converti. Vous pouvez le redire une fois pour que j'entende encore mieux? Oh oui, s'il vous plaît. Non, non, allez-y, vous. Vous. Moi? Oui. Oui, еще раз, Clovis. да. Еще раз, да, можно? Потому что я же первая была. Да, Мне еще раз. страшно было. Oui. Clovis Ier est le premier roi du royaume de France. Clovis a unifié presque toute la Gaule et s'est converti au christianisme. Ouais, Converti. bien, non, non, c'est bien. Donc c'est Merci. Clovis Ier, pas première. Non mais c'est pas grave, hein, Clovis, c'est pas des Clovis critiques. Ier. Vous savez, c'est ça qui est smouchonne, C'est s'il dit. pas méchant, hein, ce que je dis, Vous ne c'est zlitez na niego. l'exercice. Je vous quand même Non, сказал, vous merci pratiquez. pour ça, c'est très important. C'est pourquoi nous sommes ici. Après, on comprend comment je peux dire. C'est vrai que les R français, c'est premier. Premier. Clovis, ah bien, ah oui, bien. Clovis Ier est le premier roi de royaume, Du royaume. du royaume de France. De France. Le en, il est vraiment en de En France. de Voilà. France. Clovis a unifié presque toute la Gaule. Il s'est converti au christianisme. Bien, bien. Donc c'est juste Clovis, faut pas oublier le Clovis, Clovis, Clovis. Clovis, Clovis. Non, bien, non, c'était bien là. Правда, да, Merci. молодец, второй раз уже отлично. Владлена, давайте вы. Clovis Ier est le premier roi du royaume de France. Clovis a unifié presque toute la Gaule. Il s'est converti au christianisme. Alors, très bien. Je vais redire une fois et après vous allez répéter après moi, Он d'accord? еще раз скажет, и попробуйте еще раз сразу за ним. Clovis Ier est le premier roi du royaume de France. Clovis Ier est le premier roi du royaume de France. Clovis Ier est le premier roi du royaume de France. Alors, c'est sur le mot premier, c'est vraiment premier, c'est pas première, premier. Première. Вспоминаете закрытый «е» в конце, да? «Премьер». Ça fait trop. Le Да, Premier но он говорит roi «да». premier «Du royaume de France». du royaume de France. Bien.
Clovis a unifié, donc c'est E, c'est pas E, c'est Clovis a unifié presque toute la Gaule. Il s'est converti au christianisme. Clovis a unifié presque toute la Gaule. Il s'est converti au christianisme. Ah, c'est bien. Bon, les mots sont pas faciles. Oui, c'est vrai que j'ai choisi un texte qui n'est pas dire, très facile. Le texte, конечно, подобрала. Окей, хорошо, справа второй раз намного лучше. Хорошо, Мария, давай тебе. Clovis premier est le Clovis premier est le premier roi du royaume de France. Clovis a unifié presque toute la Gaule. Il s'est converti au christianisme. Très bien. Alors, comme tout à l'heure, j'ai entendu France, c'est vraiment en France. Vous avez France. Tendance à dire France. On entend le N, on ne doit pas entendre le N du tout. C'est A-N, c'est en. France. Voilà, France. Il faut oublier le N. C'est exactement pareil que converti. Vous avez dit un petit peu converti. C'est on. Converti. On ne doit pas entendre le N. C'est juste, je n'aurais pas encore expliqué les sons nasals, c'est ça le truc. Ah ouais, mais c'est dur, mais c'est super dur. Mais t'as raison, C'est difficile, hein, c'est très difficile. Mais on... Oui, converti. Converti. Voilà. Et redites, royaume. Royaume. Ouais, bien, ok. Redites une fois, Clovis a unifié presque toute la Gaule. Clovis a unifié presque toute la Gaule. Ah bien. Ok. La Gaule, j'aimerais que ça soit un peu plus Gaule. Gaule, un peu O. Oui, ouais. Gaule, c'est un peu plus глубже O. Но мы ещё я не говорю про то, да, Gaule. Да. Et après, il s'est converti au christianisme. Il s'est converti au christianisme. Ouais. Donc en fait, vraiment retenir, hein, on ne doit pas entendre le N. Donc France, converti, et premier, c'est E, pas E, c'est pas première. Premier roi au royaume de France. Ok, так, поехали, Татьяна. О, мне страшно. Clovis premier est le premier roi du royaume de France. Clovis a unifié presque toute la Gaule. Il s'est converti au christianisme. Bien, alors... essayez de redire Clovis a unifié presque toute la Gaule. Toute la Gaule. On dit toutes les lettres. Là, c'est... ah oui, ça c'est logique. Non, on dit pas. Еще раз, да, вот это. Еще раз, да. Clovis, вторую часть, да, которую Clovis a unifié. Ага. Clovis a unifié. Unifié. U, она всегда U. У нас U звука не бывает во французском языке. Да, это все время U. Еще раз повторите, пожалуйста. Unifié presque toute la Gaule. Il s'est converti au christianisme. Christianisme. Donc, converti, redites converti. Je ne... Il ne faut pas converti. Du tout entendre le N. Pas de N. N вообще не должно быть. Converti. C'est le piège. Hein. Mm. Bien, attends, c'est le piège, ok, vous le redites une fois entièrement. Еще раз говорит, давайте все. Clovis premier est le premier. Et le premier. Est le premier roi du royaume de France. Clovis a unifié
presque toute la Gaule. Presque, et presque toute. Presque toute la Gaule. Toute, toute. Là, c'est, on dit toute, toute la Gaule. Oh, pour ce chien. Toute la Gaule. Toute la Gaule. Voilà. Il s'est converti au christianisme. Bien. Mm-hmm. Voilà, déjà mieux. Bonjour, votre chien. Je lis la suite. Non, d'ailleurs. La suite. En 481, Clovis hérite de son père Childéric Ier, chef d'une tribu des Francs, un petit royaume situé entre l'Escaut, la mer du Nord et la Scarpe et l'Arve. Avec de la diplomatie, mais aussi d'assassinat, il s'impose aux autres chefs francs. Pas facile comme texte. Mais en fait, je l'avais pris aussi parce que tu vois, il y a plein de noms géographiques qu'ils ne connaissent pas, du coup, ils ne peuvent pas lire juste parce qu'ils connaissent les mots, mais juste voilà, ah, avec les règles. Qui commence? Moi. Allez. Ouf. En 481, Clovis hérite de son père Childéric Ier, chef d'une tribu des Francs. Un petit royaume situé entre l'Escaut, la mer du Nord, la Scarpe et là. Avec de la diplomatie, mais aussi d'assassinat, il s'impose aux autres chefs francs. Bien, alors, donc c'est 481. 481, non? Non, 481. У вас в стадии нету и. Parce que j'habite 21 rue de Longchamp, 21. Eh oui, mais 81. Ah, ok, merci. En, je peux. Oui, oui. Répéter. Oui. En 481, Clovis hérite de son père Childéric Ier, chef d'une tribu des Francs, un petit royaume situé entre l'Escaut, la mer du Nord et la Scarpe et là. Avec de la diplomatie, mais aussi d'assassinat, il s'impose aux autres chefs francs. Très bien. Je peux avoir quelques corrections. Moi, ce que j'ai entendu. Ouais. Ouais. Non, mais tu me dis, tu vois, je peux aussi me tromper. Moi, je dirais aussi avec un peu plus de « et » parce que moi, j'ai entendu « avec ». Donc, c'est « avec ah. ».« Avec ».« Avec ». Avec. Закрытый слог у нас, да? Не уходим на «е». Et « autre ». Il s'impose aux autres. « Autre », я услышала « autre ». Что немножко «e» в конце, да? Tu peux dire « aux autres ». Aux autres. Aux autres. Aux autres, chef. Нет, там ее прям вот просто, да, чуть-чуть вот смягчить, да? Потому что там тыр пошел вот из-за этого, да? Aux autres, chef. Aux autres, chef. Aux autres. Aux autres. Et j'ai entendu « son père ». Son père. Son père. Son père. Voilà, bien. Son père, ok. Un petit rendez-vous. Non, mais c'était très bien. Hein. Ouais. Et l'intonation? Ouais, ben franchement, très bien. Oui, oui. Merci. Ok. Татьяна, с вас. Я вас буду мешать. Давайте, давайте. 481. Не торопитесь, Татьяна. Говорите медленнее, но вспоминайте, вы все знаете, все слова знаете, все звуки знаете. Говорите чуть-чуть медленнее. Хорошо, можно сначала. Давайте. Clovis hérite de son père, Childéric Ier, chef d'une tribu de France. Un petit royaume situé entre l'Escaut, la mer du Nord et la Scarpe et l'eau.
Là. Avec de la diplomatie, diplomatie, moi aussi, d'assassinat, il s'impose aux autres chefs France. Bien. Alors, j'ai entendu entre. Si tu es entre, c'est entre. C'est toujours pareil, mais bon, je suis désolé. Hein. Mais c'est entre. On ne doit pas entendre du tout le N. Pas du tout. C'est entre. Entre. Non, non, c'est entre. J'ai entendu nord. Non, c'est nord. Le D ne se prononce pas du tout à la fin. D in stead, that's the nord. 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 J'ai entendu aux autres, donc c'est autre. Quand il n'y a pas d'accent, c'est le E. Когда акцента нету, да, то обязательно в слове «autre», да, когда нет акцента, соответственно, «e» не будет читаться в конце. Ну, как я вам говорила, да, замечается, но не читается, поэтому оно самостоятельного звука не дает. «Autre». Да. Avec de la diplomatie. De la diplomatie. Avec de la diplomatie, mais aussi d'assassinat. Il s'impose impose, pareil, on n'entend pas du tout le M, il s'impose aux autres chefs francs. Aux autres chefs francs. C'est toi, François. Давайте вторую фразу, вот, avec de la diplomatie. Avec de la diplomatie, moi aussi de assassinat. Il s'impose aux autres. Excuse-moi, on dit. J'entends. Il ne faut pas du tout entendre le M. Impose. Il s'impose. Impose. M, вообще, у вас даже рот на нее не идет. S'impose. Да? Вообще, рот на M даже не смыкается. S'impose. Il s'impose. Aux 13 chefs France. Aux autres chefs France. Aux autres chefs France. France. On ne dit pas le S. France. Et смотрите, в слове France, France читается, да, la France. А здесь France как Франк. Ну вот то, что было до Франции, да? Поэтому C не читается, France. France. Окей, ну хорошо. Merci. Так, давайте еще потом тренируемся. А, Мария, давайте вы. En 481, Clovis hérite de son père, Childéric Ier, chef d'une tribu des Francs, un petit royaume situé entre l'Escaut, la mer du Nord et la Scarpe et la. Avec de la diplomatie, mais aussi d'assassinat, il s'impose aux autres chefs francs. Bien, très bien. Alors, j'ai entendu... Qu'est-ce que j'ai entendu? J'ai entendu un petit peu le son père. Ça fait un petit peu l'accent du Sud. Donc c'est son père. Chef d'une tribu des francs. Tribu. Un petit royaume situé, oui, ça c'était bon. Avec de la diplomatie, mais, vous avez dit mais, c'est mais. Ah bah attends, là c'est d'ailleurs c'est de ma faute parce que je leur ai appris qu'il fallait que AI ça se lise quand même comme est. Mais en même temps, tu as absolument raison et ça c'est une petite précision. Quand ce sont les petits mots, когда, я перейду на русский, смотрите, насчет «ай», я действительно вас учила, что «ай» это «э». Но он прав, что в современном языке все больше слова, которые где-то «э» стоит в конце, его приглушают. То есть по правилам оно должно было бы быть «мэ», но вот он прав, что когда это единичные слова, или когда, например, окончание «ампарфе», да, когда вы говорите «жеме», вы не говорите «жеме», да, это уже перебор, вам удобнее сказать «жеме», вот поэтому он и говорит «мэ». Хотя, а почему мы говорим... По правилам, да, поэтому пометьте себе этот момент. Анастасия, почему мы говорим «maintenant», если там «а-и»? «Maintenant», c'est «а-и-н».
C'est maintenant. Ah, okay. А-ин, c'est un son encore Нет, в другом моменте, если у вас аи слышите, это все время э, если это середина слова, если это вот... Я просто сегодня думала, аи, аи, а все говорят maintenant. Maintenant. Vous pouvez redire avec de la diplomatie? Avec de la diplomatie. Et après? Avec de la diplomatie, mais aussi d'assassinat. Il s'impose aux autres chefs francs. L'intonation, moi je dirais que la voix doit monter quand il y a les virgules. Oui, avec de la diplomatie, mais aussi d'assassinat, on monte un petit peu. L'assassinat. Avec de la diplomatie, mais aussi d'assassinat, il s'impose aux autres chefs francs. Ah bah très bien. Là. Merci. Bravo. Vladlena. En 481, le fils Alors je vais relire une fois. C'est chef d'une tribu des Francs, un petit royaume situé entre l'Escaut. Vous pouvez redire ça? Un petit royaume situé entre l'Escaut, la mer du Nord et l'Escarpe. Donc c'est et l'Escarpe, c'est pas elle. On dit pas elle l'Escarpe, c'est et l'Escarpe et là. Et l'escarpe est là. Et après, vous pouvez redire avec de la diplomatie ta phrase? Avec de la diplomatie, mais aussi d'assassinat, il s'impose aux autres chefs. Oh, c'est bien. Et donc, juste le début, en 481, vous pouvez redire? En 481, Clovis hérite de son père Childeric Ier, chef d'une tribu des Francs, un petit royaume situé entre Escaut, la mer de Nord, et la Scarpe, et là. Donc c'est d'une tribu, donc vraiment le U, c'est pas U, d'une tribu des Francs et un petit royaume. Vous avez dit un petit royaume. Enfin, j'ai entendu un petit royaume. Petit royaume. Ok. Non, c'est bien. Oui, c'est bien. On continue? Allez, tout d'un coup. Allez. Juste un petit. Clovis commence d'agrandir le royaume franc. En 486, il bat Siagrius, chef du domaine gallo-romain, un territoire situé au nord de la Loire, et conquit la capitale Soissons. C'est dur de comprendre. Плохо стало слышно. Да. Да, вы слышите? Какие-то шумы посторонние. Да на самом деле... Нет, шумы, я вам честно скажу, сегодня у меня, почему-то сегодня, мне кажется, со скайпом, я думаю, что банально связано с дурацким этим чемпионатом мира. Давайте, если хотите... Сейчас... А сейчас лучше. Нет, сейчас нормально. Да. Сейчас нормально. Но это идет, на самом деле, я сегодня замечала, просто я сегодня группу когда вела, это идет у нас тихо, и у всех на самом деле тихо. Это просто вот какая-то фигня сегодня со скайпом. Мы связались с чемпионатом, но... Можно попросить тогда второй раз прочитать, потому что половину слов не было слышно. Он говорит, да, он говорит, давайте мы этот кусок вообще пропустим, он считает, что он очень сложный. Давайте действительно возьмем лучше со следующего, который селяки, алью, вот это вот, да? Не, давайте уже это, извините. Окей, donc je reprends. S'il vous plaît. Clovis commence d'agrandir le royaume franc. En 486, il bat Siagrius, chef du domaine gallo-romain, un territoire situé au nord de la Loire, et conquit la capitale Soissons. Я начинаю, да?
Не, давайте Маш начнет. D'accord. Okay. Только не смейтесь, хорошо? Qui commence? Moi. Allez. Clovis commence d'agrandir le royaume franc. En 486, il bat Siagrius, chef du Romain Gallo-Romain, en territoire situé au nord de la Loire et conquis la capitale Soissons. Bien. Alors, désolé, hein, je répète, mais j'ai entendu commence. 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 On ne dit pas commence. Le N du tout. Commence. Commence. D'agrandir, et pas d'agrandir, le royaume franc. En 486, très bien. J'ai entendu aussi « et conquis la capitale Soissons », pas « et conquis ». Il faut dire « et conquis la capitale Soissons ». Ils écrivent « et ». Et au début, conquis. C'est « chef du domaine gallo-romain ». Chef du domaine gallo-romain. Voilà. Vous pouvez le dire une fois, un peu plus vite? Oh, je ne sais pas. Clovis, Clovis commence d'agrandir le royaume franc. En 486, il bat Siagrius, chef du Romain gallo-romain. Du domaine, chef du domaine. Domaine, chef du domaine gallo-romain, un territoire situé au nord de la Loire et conquis la capitale Soissons. Ok. Ben en fait, j'entends, alors c'est pas grave, mais j'entends effectivement toujours commence d'agrandir royaume franc. J'entends les N tout le temps. Donc c'est vraiment, c'est commence d'agrandir. Commence, grandir. Voilà, le royaume franc. Le royaume franc. Très bien, voilà, parfait. Un territoire. Un territoire. Ouais, parfait. Au nord de la Loire et conquis la capitale Soissons. Ok. C'est vraiment ça. Il ne faut pas du tout entendre les N. Sinon, le reste, c'était très bien. Et je цепляю к своему маленькому de la Loire. Вот оно прямо чуть-чуть de. Да, вот маленькие слова, это вот ваши враги. Так что на них осторожно. Ok. Индира, давайте. Clovis commence d'agrandir le royaume franc. En 486, il bat Siagrius, chef du domaine gallo-romain, en territoire situé au nord de la Loire, et conquis la capitale Soissons. Bien, donc c'est. Là, c'était, le début était très bien. Clovis commence d'agrandir le royaume franc. Ensuite, j'ai entendu, il faut bien dire, chef du domaine gallo-romain. J'ai entendu chef de. Le U n'était pas. C'est du. C'est un U, un vrai U. Okay. Mm-hmm. Un territoire. Mm-hmm. Dites-moi, territoire. Un territoire. Ah. Donc, un territoire. Un territoire. Un territoire. Voilà. C'est pas un territoire. Ou alors c'est dans le sud de la France, encore une fois. Un. Voilà. Un. Oui. Territoire. Exactement. Un. Très bien. Un territoire situé au nord de la Loire. Et dites la fin. Un territoire situé au nord de la Loire et conquis la capitale Soissons. Conquis, pareil. Conquis. Voilà. Conquis. Conquis, très bien. Et conquis la capitale Soissons. Vous voulez le redire une fois, un peu rapidement? Ah oui. Clovis commence d'agrandir le royaume franc. En 486, il bat Siagrius, chef du domaine gallo-romain. Un territoire situé au nord de la Loire. Et conquis la capitale Soissons. Parfait. J'ai juste entendu le petit conquis. Ah, ok. Voilà. Très bien. Non, mais c'est dur, mais entre les « en », les « on », c'est ce qu'il y a de plus difficile en français.
Ok, merci. Voilà. Mais sinon, en tout cas, je dis d'accord. Je n'ai pas plus de maths, c'est toujours presque. ok, je dis que tu exagères, c'est pas si difficile que ça, mais c'est la technique, c'est très technique. Ouais. C'est très technique. En plus, on veut le dire, le N. Ouais. Ah, mais tu as raison, tu as absolument raison. Ok, Vladlène, d'abord. Loris commence d'agrandir le royaume franc en 486 et bat Syagrius, chef de Romains gallo-romains, un territoire situé au nord de la Loire et conquis la capitale Soissons. Donc dites bien les là, au nord de la Loire et conquis la capitale Soissons. La Loire est conquis la capitale 60. Voilà. Et pareil, j'ai redite en 486. Donc c'est 80, c'est 1. C'est pas 86, c'est 86. 86. Вы видите, как на «и», да, как я вас на «и» учил улыбаться? Вот это тот же самый звук, только в нос. Ван. И c'était chef du domaine gallo-romain. Chef du domaine gallo-romain. J'entends chef de domaine, j'entends le... Il faut dire vraiment «u», chef du domaine gallo-romain. Chef du domaine gallo-romain. Oui, très bien. Vous le refaites une fois? Oui. Loris commence à agrandir le royaume franc. En 486, il bat Syagrius, chef du romain gallo-romain, un territoire situé au nord de la Loire et conquis la capitale Soissons. Très bien, très bien. J'ai entendu juste le agrandir un petit peu, mais très bien. Non, sinon c'était bien. Merci. Tatiana, David. Clovis commence d'agrandir le royaume franc. En 1496. Il bat Syagrius, sort de le domaine gallo-romain, territoire situé au nord de la Loire, et conquis la capitale Soissons. Ok, merci. Donc, la première phrase, c'était pas mal. Il faut bien dire agrandir le royaume franc. D'agrandir le royaume. Le royaume franc. Le royaume franc. On ne dit pas le franc. Franc. Voilà. Franc. En 486. En 486. Il bat Syagrius. Il bat Syagrius. Oui. C'est du... Chef du domaine gallo-romain. Vous voyez, le mot domaine, il y a M-A-I, on dit bien mais. Mais. Alors que mais, M-A-I-S, on dit mais. Donc là, c'est domaine. Domaine. Ouais. Domaine, gallo-romain. Romain. Romain. Territoire situé. Au nord de la Loire. De la Loire. Conquis. Et.
et conquis, conquis. La, conquis voilà. La capitale Soissons. Voilà. Et conquis la capitale Soissons. Ok. Et conquis la capitale Soissons. On dit bien capitale. Capitale. Voilà. Ok. Très bien. Capitale. Вот намного лучше. Молодец. C'est dur, hein, ce texte. Hein. Нет, continue. Ok, поехали. Mm-hmm. C'est là qu'a lieu l'épisode du vase de Soissons, assez célèbre. Un guerrier casse un vase avec sa hache, alors que Clovis voulait le donner à l'évêque de l'église d'où venait le vase. Un an plus tard, Clovis tue ce guerrier avec sa hache et dit « Voilà ce que tu as fait au vase de Soissons. » C'est trop rapide ? Non ? Non. J'en fais une fois ou ça va ? Une fois. C'est là qu'a lieu l'épisode du vase de Soissons, assez célèbre. Un guerrier casse un vase avec sa hache, alors que Clovis voulait le donner à l'évêque de l'église d'où venait le vase. Un an plus tard, Clovis tue ce guerrier avec sa hache et dit « Voilà ce que tu as fait au vase de Soissons. » C'est là qu'a lieu l'épisode du vase de Soissons, assez célèbre. Un guerrier casse un vase avec sa hache alors que Clovis voulait le donner à l'évêque de l'église d'où venait le vase. Un an plus tard, Clovis fut ce guerrier avec sa hache et dit « Voilà ce que tu as fait au vase de Soissons. » Bien, bien, bien. On comprend bien. Donc, on dit bien c'est là qu'a lieu l'épisode du vase de Soissons. J'ai entendu deux vases de Soissons. Et on dit du vase de Soissons assez célèbre. Un guerrier casse un vase avec sa hache alors que Clovis voulait le donner à l'évêque de l'église. Tu peux répéter s'il te plaît la phrase là ? Le début, c'est là qu'a lieu l'épisode. Un guerrier casse un vase avec sa hache alors que Clovis voulait le donner. Clovis voulait le donner à l'évêque de l'église d'où venait le vase. Donc c'est venait, hein, d'où venait, on dit bien le E, hein. Il n'y a pas de... D'où venait le vase. Venait le vase. Voilà. Donc c'est un vase. J'ai entendu... Enfin, je sais pas... Un guerrier casse un vase. Vous pouvez le redire? Un guerrier casse un vase. Ok. Un guerrier casse un vase. Ok. Et la fin? Un an. Donc c'est un an plus tard. Un an plus tard. On fait la liaison. Un an. Un an plus tard, Clovis tue ce guerrier avec sa hache et dit « Voilà ce que tu as fait au vase de Soissons. » Très bien. Donc, c'est « Voilà ce que tu... » J'entends pas assez les « u ».« Voilà ce que tu... » Voilà ce que tu as fait au vase de Soissons. Ah, voilà ce que tu as fait au vase de Soissons. Ouais, bien. Soissons. Toujours le. Ok. Ouais, c'est bien. On comprend bien. C'est toi aujourd'hui. Hein. Moi, je me repose. Non, non, mais bien. Non, mais c'est bien. C'est bien. Je te prendrai plus souvent à faire des cours avec moi. Indira. C'est le cas a lieu l'épisode du vase de Soissons, assez célèbre. Un guerrier casse un vase avec sa hache alors que Clovis voulait le donner à l'évêque de l'église d'où venait le vase.
Un an plus tard, Clovis tue ce guerrier avec sa hache et dit « Voilà ce que tu as fait au vase de Soissons. » Très bien. Donc on dit bien un guerrier. Guerrier. Voilà. Un guerrier casse un vase. Casse un vase. Vase, n'y a gauche, c'est ça. Casse un vase. Avec sa hache, alors que Clovis voulait le donner à l'évêque de l'église d'où venait le vase. Je vais le dire. Voilà. Avec sa hache, alors que Clovis voulait le donner à l'évêque de l'église d'où venait la vase. Le vase. Où, c'est bien. D'où venait d'où, le vase. Voilà. D'où venait le vase. Très bien. Et ensuite, un an plus tard, Clovis tue ce guerrier avec sa hache. Un an plus tard, Clovis tue ce guerrier avec sa hache et dit « Voilà ce que tu as fait au vase de Soissons. » Alors, bon, alors, c'est un tout petit détail, mais j'entends « voilà ». Voilà, j'entends voilà. Voilà. Voilà, voilà, très bien. Voilà, voilà. Voilà. Le A voilà. Est vraiment prononcé, il y a un accent sur le A, donc c'est vraiment A. Voilà ce que tu as fait au vase de Soissons. Voilà, et pareil, il faut entendre bien le tu. Voilà ce que tu as fait au vase de Soissons. Voilà ce que tu as fait au vase de Soissons. Très bien. Vous leur dites une fois, juste une fois, rapidement. Ok. C'est là qu'a lieu l'épisode du vase de Soissons. Pas, le là, pareil, comme voilà, c'est là qu'a lieu. Là, voilà. Là. C'est là qu'a lieu l'épisode du vase de Soissons, assez célèbre. Un guerrier casse en bas avec sa hache, alors que Clovis voulait le donner à l'évêque de l'église d'où venait le vase. Un an plus tard, Clovis tue ce guerrier avec ce hache et dit « Voilà ce que tu as fait au vase de Soissons. » Très bien. Merci. On comprend bien. Mm-hmm. Tatiana. C'est là qu'on lie l'épisode du vase de Soissons. Assez célébré. Un guerrier casse un vase avec sa hache, alors que Clovis voulait donner à l'évêque de l'église. D'où venaient les vases? Un an plus tard. On dit pas us, un an plus tard. Un an plus tard, Clovis tue ce guerrier avec sa hache et dit: Voilà, c'est. Ce que tu as fait au vase de Soissons. Très bien. Alors, de Soissons. Soissons. Oui. Donc, le début, c'est là qu'a lieu l'épisode du vase de Soissons. C'est là qu'a lieu l'épisode du vase de Soissons. Voilà, très bien. Et vous dites, un guerrier casse un vase avec sa hache. Un guerrier casse un vase. Un vase. Un vase. Un vase. Un vase. Très bien. Avec sa hache, alors que Clovis voulait le donner à l'évêque de l'église. Avec sa hache, alors que Clovis voulait. Vous voulez. Vous. Vous voulez le donner à l'évêque de l'église d'où venait le vase. Ok. Un an plus tard,
Un an plus tard. Plus tard. Plus tard. Clovis tue ce guerrier avec sa hache. Clovis tue ce guerrier avec sa hache. Eddie. Voilà. Oui. Eddie. Voilà ce que tu as fait en bas de Soissons. Donc, voilà ce que tu as fait au vase de Soissons. Voilà ce que tu as fait au vase de Soissons. 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 Ouais, ok. C'est bien. Okay. Merci. Merci. Après. Maria? C'est là qu'a lieu l'épisode du vase de Soissons, assez célèbre. Un guerrier casse un vase avec sa hache alors que Clovis voulait le donner à l'évêque de l'église d'où venait le vase. Mm-hmm. Un an plus tard, Clovis... On fait la liaison un an plus tard. Un an plus tard, ouais. Clovis tue ce guerrier avec sa hache et dit « Voilà ce que tu as fait au vase de Soissons. » Soissons. Soissons. Voilà. Vous pouvez redire la première phrase? C'est là qu'a lieu l'épisode du vase de Soissons. Assez célèbre. Très bien. Un guerrier casse un vase. Guerrier. Un guerrier. Un guerrier. Ouais. Casse un vase. Un vase. Un. Un vase. Oui. Avec sa hache, alors que Clovis voulait le donner à l'évêque de l'église d'où venait le vase. Avec sa hache, alors que Clovis voulait le donner à l'évêque, oui, de l'église d'où venait le vase. D'où venait le vase. D'où venait le vase. D'où, alors c'est marrant, c'est un d'où comme en anglais. C'est un d'où. 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 Oui, voilà. D'où venait le vase. Ok, super. Je pense qu'on n'aura peut-être pas le temps de... Ah oui, ça passe vite. Mais par contre, est-ce que tu as quelques commentaires en général? Donc, est-ce que tu dirais peut-être... Alors, déjà, en général, tu traduis ou... Vous me dites si je vais parler pas très vite. Je suis très impressionné par votre bon accent. Merci. N'oubliez pas de ne jamais prononcer le N. Никогда не произносите N. Quand c'est un, on. Moi, ça bosse beaucoup. En. C'est France, c'est conquis. C'est vraiment la faute. Et bien prononcer les U. C'est U. Du. Beaucoup U. Et les sons sont très différents. Les звуки очень разные, если вы поменяете. Sinon, c'est beaucoup d'entraînement. Больше тренировки. Aujourd'hui, on n'a pas travaillé l'intonation. Говорит, сегодня C'était мы плutôt еще... la prononciation. Сегодня он говорит, мы больше, конечно, занимались произношением, чем интонацией. Но по идее, как я это вижу, что как раз вот через там у нас 4 дня, чтобы доработать звуки, как раз доработать нос и доработать эти у и у нас в следующий раз. По идее, мы как раз должны на последнем занятии делать только интонацию. Mais sinon, oui, le texte était difficile et vous avez vu que au bout de 2 ou 3 fois, franchement, c'était beaucoup mieux. Замечали, что как через 2-3 раза уже как насколько вы лучше говорили. Сразу читаем. Ну посмотрите видео еще. Mmh. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, juste je voudrais dire que vous avez une magnifique femme professeure de phonétique.
D'accord, super. Oui, j'aime beaucoup cette méthodique parce que c'est très difficile de trouver le professeur qui peut donner la phonétique à la Ah oui, russe. bien sûr, bien sûr. Et c'est très, très important. Je suis très très contente que j'ai trouvé Anastasia. Parfait. Moi aussi. Bientôt, Oui. Joël. On bat au coin pour Voilà. l'orphanat Merci jusqu'au beaucoup pour phonétique. votre temps. Et toi, tu es le suivant avec la phonétique russe, hein, Oui, maintenant. oui. Ok, все, поедем учить ваших коллег. Пойдем. До Merci, завтра, bonne до завтра утром. soirée. Bonne soirée. Merci, Merci beaucoup. пока-пока. Au revoir.